Troisième et dernière petite vidéo pour finir rapidement. Hein. Voilà, pour résumer, cette personne nous a fait quatre pages de choses qui sont hyper discutables, plus que discutables même. Et malheureusement, ça semble devenir une mode actuellement de cracher sur le Costa Car. Je ne sais pas si les gens ont intérêt à le faire. Il semblerait que maintenant il y a des sociétés d'expatriation qui vendent des services ou qui veulent attirer les gens vers d'autres pays, donc qui passent beaucoup de temps à dire du mal sur le Costa Rica, sachant que le Costa Rica attire énormément de monde. Ça me paraît vraiment totalement déplacé, mais bon, malheureusement, le monde est ainsi fait qu'aujourd'hui, il faut composer avec ça. Alors, ils ont le droit de dire du mal sur le Costa Rica, moi j'ai aucun souci avec ça, quoi. Le Costa Rica n'est pas parfait, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter qui ne vont pas, mais il y a aussi plein de choses qui vont. Et quand je fais en ce moment la balance, je connais bien la situation mondiale, je connais excessivement bien la situation mondiale. Quand je fais la balance de ce qui va dans ce pays, de ce qui ne va pas, pour moi c'est très net, hein. Je reste ici, hein, parce qu'ici on est quand même extrêmement tranquille, et j'aime beaucoup la vie que j'ai ici. Je sors dans la rue, les gens sont adorables, sont sympas, je rigole avec tout le monde, je vais au marché, c'est très sympa, tout le monde me connaît dans la ville où j'habite, les gens sont souriants, enfin tout le monde salue, les ouvriers de la construction discutent avec tout le monde, quoi. C'est vraiment extrêmement agréable. Alors après, il y a deux petites choses qui ne me plaisent pas. Oui, moi aussi, j'aimerais qu'il y ait moins de violence, mais malheureusement, on vit dans un monde violent aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais que le Costa Rica soit un peu moins cher, mais bon, je vous dis, je m'en arrange très bien, je sais comment faire, quoi. Moi aussi, j'aimerais qu'il n'y ait plus de problème de retraitement des eaux, que les gens y balancent rien dans la rivière, mais malheureusement, il y a encore des gens pas éduqués qui le font. Il faut qu'on arrive à les faire changer. Mais les gouvernements y travaillent, on ne peut pas dire que le Costa Rica est laissé à l'abandon, c'est totalement faux, quoi. Voilà, pour en finir avec ce monsieur, donc, ah oui, il nous parlait du Panama aussi, j'ai vu dans un autre mail, en nous vendant, enfin, il vendait à des gens sur le forum le Panama. Est-ce qu'il a un intérêt à le faire? Je ne sais pas. Moi, je connais très bien, ça fait 7 ans que j'y travaille. Hein. Panama City, faut aimer, hein. Moi, j'aime pas. C'est New York, voilà, c'est des buildings partout, faut vivre avec l'air conditionné parce qu'il fait une chaleur extrêmement humide. Et surtout, j'aime pas les Panaméens, faut le dire franchement, quoi, voilà. Après, je peux comprendre que le Panama, c'est un pays moderne qui se développe, machin. Oui, c'est New York, quoi. Si vous avez envie de vivre à New York, vous pouvez aller au Panama. Effectivement, il y a peut-être du travail là-bas, c'est possible. Disons, le Costa Rica est un pays beaucoup plus agricole. Le Panama est un pays beaucoup plus financier. Voilà, c'est un peu ce que je dis à mes clients qui me demandent la différence entre les deux. Je critique ni l'un ni l'autre. Le Panama a ses avantages et ses inconvénients. Mais il est clair que le climat y est plus rude qu'au Costa Rica parce que c'est très humide. Et surtout que la population y est beaucoup moins sympathique avec les étrangers que les costariciens. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Voilà, après ils nous vantent Bocas del Toro, ça là je connais encore plus, parce que je travaille à Bocas del Toro, j'y suis allé plein de fois, en disant que c'est un paradis de tranquillité, oui et non. Oui, c'est comme le Costa Rica, le Bocas c'est un endroit effectivement hors du temps que j'adore, mais attendez, il y a quand même eu des choses très graves qui sont passées à Bocas récemment, il y a des étrangers qui ont quand même été tués sur leur île, dans leur maison, quoi. Moi, dans mes clients, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé, j'en ai parlé avec mon collaborateur récemment, et en ce moment il y a une vague de violence sur Bocas del Toro qui n'existait pas avant. Alors on pourra en parler, mais je ne veux pas déborder 12 minutes pour vous expliquer la situation. Donc vous voyez, dans toute chose, je crois qu'il faut être un peu mesuré. Chaque pays a ses avantages et inconvénients. Il n'y a pas de pays qui sont complètement nuls, et il semblerait que le Costa Rica soit devenu un pays complètement nul. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, ce que je crois, c'est que ce monsieur n'avait pas le profil pour venir habiter dans ce pays-là, n'en avait pas la surface financière, n'avait peut-être pas les moyens qu'il faut, parce que tout le monde n'est pas capable de s'expatrier. L'expatriation, c'est quand même réservé à une, entre guillemets, une forme d'élite. Il faut quand même avoir déjà les reins solides, il faut être capable de découvrir une nouvelle culture, il faut être capable de s'habituer dans un autre pays, il faut être capable de comprendre comment ça fonctionne, il faut être entrepreneur, il faut. Voilà, tout le monde n'est pas capable de faire ça, c'est pas un problème. Moi je ne juge pas les gens qui ratent une expatriation, c'est pas un problème, tout le monde réussit ou rate dans la vie, c'est normal. Moi j'ai raté des trucs dans ma vie aussi, si je rate pas, tant mieux pour moi, mais j'avais raté d'autres choses avant. Voilà, c'est comme ça. La seule chose que je demanderais à ces gens, c'est de baisser d'un ton, quoi. Et puis surtout aux gens qui veulent s'informer sur le Costa Rica. Vous voyez Vincent Varenne de Vert Costa Rica, vous voyez un site qui s'appelle, je crois, je ne me rappelle plus, Costa Rica, je ne sais plus, je vais dire une bêtise. Mais un site qui donne beaucoup d'informations sur le Costa Rica. Vous voyez l'ambassade de France, vous voyez la chambre de commerce. Vous voyez des gens comme moi qui peuvent vous dire, moi, vous allez me dire, ah oui, mais vous êtes jugé parti. Ben oui, mais si je n'aimais pas le Costa Rica, j'y habiterais pas. Vous savez, je ne suis pas maso non plus, je ne suis pas forcément maquis ici à vie. Si je suis là, c'est parce que je pense que c'est bien. Sinon, je serais déjà parti ailleurs, monter peut-être la même chose dans un autre pays. Mais j'en ressens pas le besoin pour l'instant. Donc voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est fini. Bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que je déteste faire ça. C'est pas mon job de faire des vidéos sur des gens qui commentent sur des forums. Mais je crois qu'à un moment, il faut, pour les personnes qui s'intéressent, essayer de leur redonner un peu d'informations.
Et puis toute personne qui dirait que ce que je viens de dire est faux, bah, il peut m'écrire, essayer de me le démontrer par A plus B, et je mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et puis on verra bien, on aura une discussion sur le sujet, mais enfin je crois savoir de quoi je parle dans ce pays-là. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'y suis. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine. Je vais reprendre le cycle de mes vidéos qui m'intéressent, c'est-à-dire les vidéos que j'avais commencées sur le crédit, et puis d'autres que je vais faire sur les fincas derrière, et pas me devoir m'ennuyer à faire ce genre de vidéos que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, c'était une mise au point, elle est faite, basta. Sur ce, pour la vida.